Bonjour. Après avoir étudié City Life de Steve Reich en classe, je vous propose de vous expliquer comment faire réaliser aux élèves leur propre City Life à partir de GarageBand sur l'iPad. Vous ouvrez GarageBand, puis vous sélectionnez l'instrument Sampler. Il va falloir enregistrer l'échantillon de son. Pour cela, vous cliquez sur Lancer, vous enregistrez votre son et vous recliquez sur le bouton rouge. Le son est enregistré, vous le voyez, il est en jaune, c'est l'onde jaune ici. Vous pouvez définir le début en décalant la poignée de gauche et la fin en décalant la poignée de droite. Maintenant, il reste à enregistrer un rythme à partir de l'échantillon sonore que vous venez d'enregistrer. Cliquez sur Enregistrer, puis jouez votre rythme. À la fin du rythme, vous cliquez sur Stop. Et maintenant, on va passer à la vue de l'arrangement, la fenêtre de l'arrangement, en cliquant ici en haut. Vous voyez que votre région verte comporte des petits traits, ben c'est le rythme que vous venez de jouer. Alors, les élèves ont tendance à ne pas tout à fait jouer dans la pulsation. Et pour cela, il existe un petit outil qu'on appelle la quantification qui permet tout simplement de caler le rythme. Soit sur les croches, soit sur les doubles croches, soit sur la noire. Vous cliquez sur le menu en haut à droite, puis sur Quantification, et vous choisissez croche ou double croche, ça dépend la définition du calage que vous souhaitez. Et maintenant, en appuyant sur Play, vous pouvez écouter la quantification, en tout cas la différence. Vous remarquez à la fin de la région, il y a une partie vide, je vous propose de la supprimer. Cliquez sur la région, prenez la poignée de droite que vous poussez vers la gauche. La région est réduite. Maintenant, nous allons la mettre en boucle. Pour cela, vous cliquez une fois dessus, puis le menu s'ouvre, vous appuyez, vous cliquez sur boucle, et voilà, le travail est réalisé. Nous avons enregistré une piste. Maintenant, il reste à faire le même travail pour la piste 2, 3, 4, 5, en fonction du nombre de pistes que vous souhaitez. Il suffit de cliquer sur le petit plus pour rouvrir un nouvel instrument qui correspondra à la piste 2. Voilà un exemple de ce que vous avez entendu avec les différentes pistes enregistrées. Voilà, je vous remercie, à bientôt.